Ben là, je soude un câble de diamètre 1,5 pour faire un scintillement. D'accord. Et donc là, tu relis toutes les douilles, c'est ça? Une douille sur deux pour faire un scintillement, une sur deux. Donc là, tu mets un premier câble et tu en mettras un autre du coup après. Voilà. Avec un fer à souder de marque Weller. Voilà, petite pub au passage. Exactement. Attention, ça rigole plus les gens. La marque référence. Comme ça, vous pouvez voir l'envers du décor. Cette pince sert à déluder le câble plus rapidement que les anciennes pinces. Oui, donc parce que avant, comment ça se passait pour dénuder un câble? Du coup, les anciennes pinces, bah, c'était comme ça. Du coup. On mettait le câble ici, là, et on tirait. D'accord. Et donc, du coup, par exemple, sur un câble comme ça, ça devait être plus compliqué. Bah, sur là-dessus, on faisait carrément au cutter. Là donc on va tout recâbler en tous les ans pour tout rebrasser tous les fils. D'accord. Donc, je vais ouvrir derrière ce que j'ai fait. D'accord. Parce que là je suis un fer pour éviter de me planter. on travaille sur deux tensions. Le problème c'est qu'on travaille sur deux tensions différentes. On travaille sur du alternatif et du continu. Du 2 volts alternatif et puis du 12 volts continu. Donc, t'as plusieurs générations de tubercules. Oui, c'est ce qu'on a vu juste en haut là. Il y a les baïonnettes, t'as des LED, t'as des trucs comme ça. Ouais, comme ça.